Attention mon petit monsieur, vous inquiétez pas, je vais pas vous écraser. Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Johan. Salut. Et on va faire un bon fast food aujourd'hui. Ouais, fast food, on va juste aller au McDo hein. Ah, tu veux pas aller au Burger King? Non, j'en ai un à côté de chez moi, j'en fais souvent des Burger King, de temps en temps. Et KFC aussi, et McDo j'en fais jamais donc. Mais tu voulais pas un tacos? Non. On sait Johan, t'es super beau. Oh regarde, j'ai des cheveux. Oui, on est en train de se laisser pousser les cheveux tous les deux. C'est moi qui régale, tu prends ce que tu veux. Ouais. Par contre, pas de dessert, j'ai des compotes de pommes chez moi. J'ai du bon fromage blanc. Non, ça suffira le fromage. Franchement, je préfère prendre un deuxième burger que prendre un McFlurry. Ah bah voilà, parfait. En plus, t'as vu comme ça coûte cher? Ah ouais, j'ai vu les prix, ils disent baisse de prix, mais... Ouais, mais presque 5. M'en fous, c'est pas moi qui paye. Non, et c'est pas moi qui paye non plus, c'est vous qui payez avec YouTube. C'est vrai, avec YouTube Money. Et là, je commence à reprendre une bonne motivation pour cette chaîne. Parce que j'aime bien bouffer, j'aime bien regarder des vidéos de bouffe, j'aime bien tourner des vidéos quand je bouffe. Et vous aimez bien ce genre de vidéos. Bah, allez, mais regarde, ça avance pas là. On est à 50, on est à 20 à l'heure. Ah, il est midi là, ils ont tous faim. Qu'est-ce non, il est pas encore mini, Johan. Ah, il est 11h53. Généralement, ça bouchonne quand t'es à 4h, 5h, quand les gens sortent du boulot. Non, ça bouchonne de l'autre côté. Lui, c'est perdu, lui. Son sac. Oula, il est près de la route, il y a le camion qui passe. T'as vu le Norwood qu'il avait aussi. On va encore attendre 3 plombes, mais il est même pas encore midi. Bah écoute, ils sont sortis du boulot à 11h30. Hein. Là, t'as vu, il y a des Iggy et Charco à collectionner. Ah, il est trop rigolo le requin. Seul ou à partager? Seul. Ah bah, vu le monde, on aura le temps de choisir ce qu'on veut, de bien réfléchir. Et à tous les coups, les gens ils vont se dire « Oh, je sais pas quoi prendre !»« Oh, je me décide à la dernière minute !» Bah, tu sais, moi, je sais pas quoi prendre, là. Et après, ça met 3 plombs pour chercher l'espèce, la carte bleue. « Ah, je sais pas combien ça coûte, je sais pas ce qu'il me reste dans le compte bancaire !»« Mais va pas au McDo, c'est pour les riches, au vu du prix que ça coûte actuellement !» !»« C'est pour les riches, hein. » Oui, ah, ça avance. Enfin. Donc ça se prouve. J'ai faim. Bon, John, on va à gauche ou à droite? Ouais, à gauche. À droite, non, à droite, il a bientôt fini. On est des Français, pas des Anglais. Je sais pas quoi prendre. Mais tu sais pas quoi prendre, John. Ouais, Maxi Best Of, et puis je vais prendre un autre. T'as qu'à prendre un truc que tu n'as jamais goûté. Bah, déjà Maxi Best Of, je veux mon Best Of. Ah, non, tu veux ton Big Mac ou un autre Big burger? Big Mac, pardon, je me suis compris. On va prendre 2 Maxi Best Of, ouais. Big Mac. Big Mac, obligatoire, puis après, voir ce qu'on peut prendre d'autre. Oh, on va prendre un petit burger. Moi, je prends un petit burger. Du métal là. Ah, Cybride, ils ont fait un. Ah, ils ont fait un remaster? Oui, mais c'est parce qu'il a 20 ans, Bioactive. Je prends un petit hamburger en plus. Ou alors on se prend des nuggets à partager si tu veux. On va se prendre aussi des nuggets à partager. On prend plus des nuggets. On prend un autre burger. Un burger, un cheeseburger. Non, le cheeseburger. Non, un truc que je connais pas. Ah, un truc que tu connais pas. Mais quoi? Le McChicken, tiens, il est en promo. Non, pas McChicken. Le promo. Non, il lance, c'est pas de promo, ça là-bas. Il gratte. Non, je vais prendre un autre burger que je connais pas justement. Oh les boules. Bah, je t'avais dit quoi? Il y a personne derrière. Je recule. Toi, je t'avais dit que l'autre, tu savais pas quoi prendre. Ouais, bah oui. Non, mais il est en train de prendre toute la carte. Il va se faire une méga dégustation. Ça va lui coûter 300 balles le prix d'une Switch. Bonjour, je veux le requin. Bonjour, je prends votre commande. Bonjour, je prends Zig le requin, s'il vous plaît. Pardon. Ça va, 34 à 2, ça va, c'est pas non plus excessif. Bah, Memphis, on avait payé combien? 50. Oui, non, c'était pas Memphis, c'était... Si. C'était pas Buffalo? Non, Buffalo, on avait le burger en plus. Oui, sinon ça nous aurait coûté 50 balles. 50. C'est pour ça que il est... Oh, maintenant, on prend plus le Uber, on prend la bagnole et on y va, on est à côté en plus. Ça nous fait gagner 10 à 15 euros, en fait. Ouais, bah on prend des trucs en plus. Voilà, c'est ça. Et là on va vraiment se péter le bide. Ouais, bah merci, parce que le Greek, tu voulais... Bah, je voulais te le faire goûter, le Greek. Parce que j'ai vu des bons retours, justement. Non, mais là je crois que c'est la première fois qu'on va manger autant dans un McDo, comme des porcs. Alors que je suis sûr que pour vous, c'est on est des petits joueurs, ça je suis sûr et certain. Passez une bonne journée. Bonne journée aussi. Abonnez-vous. Allez, au revoir les prolos. Avec ta voiture de prolo? Ouais, je dis ça alors que je vis comme un prolo. T'as pas honte? Ouais, c'est pas grave, allez, on va bouffer. Oh, regarde, y'a un pot d'yaourt en face. Et c'est les voitures sans permis. Hein. Les voitures d'étudiants, on se croit dans Mario Kart. Non, il s'est barré, non, bah tant pis. Y'aura pas de racontage, Johan. Allez, on va bouffer. Oh, alors ouais, en effet, on va bien se péter le bide. Bah oui, profiter, j'ai pris le fromage blanc. Le fromage blanc, mais t'es pas trop d'actu. J'ai mis dedans, appuie sur les cuillères. Ouais, bah en tout cas, ça coûte moins cher que les maquillages. Oui, t'inquiète pas. Bon, alors, on a pris. Y'a un Big Mac pour toi. Oui, et c'est peut-être le tien, je sais pas. Ouais, bon, je prends le plus goûtu. Ah, bah alors ça, tu me l'as conseillé, c'est le McGreek. Voilà, et si tu le termines pas, je croquerai dedans, c'est pas un problème. Ensuite, pour 2, 9 nuggets, ce qui suffira largement. Hein. J'espère qu'ils ont mis les sauces, ils ont pas oublié. Non, ils ont pas oublié. Des frites, tiens, merci. Des frites pour moi. Les meilleures frites pour moi. Elles sont meilleures que... Désolé, je tape dedans. Ah, tu tapes dedans déjà? Elles sont meilleures que celles de chez KFC. Petit burger. Ah, mais attends, laisse-moi terminer ma phrase. Elles sont meilleures que chez KFC et Burger King. Oh, moi je préfère BK.
Oh, ils ont été radins avec les sauces. Oh là 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 là, les radins. Bah attends, il y en a un pour toi. J'aime pas celui-là. Ah bah je le prends, prends-le. Il y en a deux, c'est bon. Bah moi j'en ai assez. Non mais regarde, y a rien. Ils ont juste mis une portion de mayonnaise. Non, deux. Des pommes frites en plus. Bah prends les deux. Bah je prends les deux, ouais. Mais y'aura pas assez avec les nuggets. Et bah t'as du ketchup ou pas? J'ai rien, Joanne. Des merdes. Et bah j'ai à sec. Ah je suis à sec. Mais ils ont pas, y a pas de pétillante? Quoi, y a pas de pétillante? Ils ont mis quoi? Mais on dirait... Ils sont trompés. Attends. Ils sont trompés, Joanne, c'est pas de la pétillante, ça? Bon, ça, ça passe, hein, c'est bon. C'est de la pétillante. Ah! Bah tiens, hein. J'ai bu dedans, hein. Attends, monte. Bon, mais t'inquiète pas. Regarde, c'est de la pétillante. Ouais. T'as pas des verres? Parce que j'aime pas boire dans des trucs en plastique comme ça, c'est... Je t'apporte deux verres, s'il te plaît. Toi? Ouais, merci. Ah bah ouais. Eh, ils en donnent plus, hein, des trucs comme ça. Eh bah voilà. Parce que ouais, quand tu regardes la couleur, on dirait quelqu'un... on dirait que c'est un fond de coca. Ah bah, pétillante, mes fesses, hein. On va dû prendre des best-of et pas des maxi best-of. Bon, alors on va goûter ce McGreek. Oula, ah, il est gras. Tu commences par le McGreek, Joanne. Oui, il est gras. Bon, bah, moi je te dis bon appétit, Joanne. Mangez les soyez. Ça nous a coûté 35 euros à deux. 17 euros. 17,50€ chacun, alors qu'on a pris plein de trucs. Je trouve que ça rend très bien. Oui, c'est, bon. C'est vrai que c'est. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bon, attention, il est fat. Vas-y, laisse-moi te mordre dedans. Non. Parce que, franchement, celui-là a été bon. Tiens. Le pain, il est bon. Ouais. Allez, sous les serviettes. Allez, on vous dit bon appétit, ouais. Si vous mangez bon appétit, pas hein. Justement. Vous pouvez nous dire dans les commentaires quel resto, quel fast-food vous voudriez qu'on fasse. Faut qu'on fasse pizza ou peut-être que le pizza, je ferai avec François. Non, il y a un truc qu'il faut que je refasse. Faut que je recommande des box. Des box de quoi? Box de charcuterie, box de fromage. Ah oui. J'avais fait une box de charcuterie avec Fénisque. On avait bien rigolé, la vidéo elle était très cool. Et la dégustation du box de William, t'as toujours pas fait? Non, c'est là-bas. Avec les beaux produits qu'il t'a offert en plus, c'était il y a plus d'un an. Ouais, mais tant mieux. Oui. C'est vrai, ça c'est de la conserve. Et il y a de la sardine surtout. Ouais. Et c'est pas de la sardine de mauvaise qualité. Hein. Donc limite, plus on j'attends. Le fait à deux. Hein. Ah, si tu veux qu'on le fasse à deux, on le fera à deux. Franchement, on pourra le faire à deux. Ouais, bah pas de soucis, on le fera à deux. Pas de problème. Comme ça, si c'est pas bon, je le taillerai. Mais, Joanne, tu m'avais pas dit que t'étais pas trop poisson? Ah, non, mais je goûte, j'attends. Moi, Joanne, tu mets des filets de maquereau, moi je le mange. Quoique, rillettes de thon, j'en avais goûté une dans une ration militaire. Hein. Tu sais que j'ai deux rations qui traînent en plus, j'attends le bon moment, faudrait qu'on fasse ça. Non, on pourra faire ça? Faut absolument que je les fasse, parce que je voulais les faire avec toi. C'est jusqu'à quand? Ouais, c'est du trick and eat, ouais. Oui, c'est bon, on pourra se faire ça? Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Quand je les mets là en attendant. Prends un menu, on le fait. Ah oui, oui, 24 heures, oui, on peut faire ça. Bon allez, moi je croque dans mon Big Mac, enfin. Ça reste un hamburger classique, le Big Mac. J'ai pas trouvé meilleur que le Big Mac. Alors, côté McDo. Bien sûr, puisque on tape du côté de Quick, le Giant, ouais. il met une razzia à ce long bacon. Ah oui, toi c'est long bacon. Ouais. Faudrait qu'on fasse un Quick à deux. Ouais, alors ça oui. Mais faut qu'on aille à Lyon. D'ailleurs, ils en ont remis un. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ils l'ont mis où, le nouveau? Au pôle restauration. De la Part-Dieu? Ouais. À côté du Big Fernand? Je pense. Hein. Non. Je pense. Big Fernand, faut qu'on fasse à deux aussi. Hein. Non, mais il y a trop de choses là. Le problème, ouais. C'est que je suis pas. Je suis pas à Lyon, je suis à Bourgoin. Donc après, Lyon, Part-Dieu, je crois, j'y suis en une demi-heure sans les bouchons. Sans les bouchons. Mais je pense qu'on fera ça un de ces quatre. Les bouchons, tu mets 20 minutes de plus, ça. Ouais. On y va là où il n'y a pas trop de bouchons. On fait l'aller-retour. Ouais. Bah, j'avais fait ça pour le quick avec François. Ce qu'il faut qu'on fasse à deux, Joanne, si je sais. Je t'écoute. Hein. Dégustation de maki sushi. Ah ouais, ça je veux bien. On prend des maki sushi au rayon Leclerc. On se prend un bon paquet. Ils ont un truc où ils les font sur place. Ouais, exact. Ouais, mais là, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai plein d'idées. Et je suis content. Enfin, des idées, je vais pas réinventer la roue. Ah, pour t'accompagner, oui, hein, je suis toujours là. Surtout quand c'est offert la bouffe. J'étais sûr qu'il allait le dire. On était en train de parler de P1 là dans la voiture. Ouais. Tu conduis à regarder ses vidéos? Bien sûr. Moi, apparemment, je vois, je regarde apparemment certaines de ses vidéos en boucle. Alors, moi, mais le Choconabé. La pièce de bœuf XXL quand il a improvisé un barbecue fumoir. Ah, j'ai pas vu celui-là. Ah, l'autre il met 6 heures pour cuire sa pièce de boucher tellement elle était épaisse. Mais j'adore cette vidéo parce que tu vois, elle est longue et il a dû souffrir tellement elle était en mode j'ai faim. On voit ça. Pff, il en pouvait plus, le pauvre. On en profite pour vous annoncer un projet.
D'ici les prochaines semaines, je vais acheter un énorme brasero qui sera placé chez mes parents. Et on fera des vidéos avec le brasero. Avec prends le brasero des galetons. Je sais pas, parce que j'ai demandé à papa de voir s'il y a des braseros qui leur conviennent. Classe, ouais, qui leur conviennent. Plus classe, moins cher. C'est pas parce que c'est Gueuleton que je vais m'intéresser à eux, je vais regarder les moins chers. Enfin, pas forcément les moins chers, mais les meilleurs rapports qualité-prix. Ouais, c'est ça. J'ai pompé 300 balles juste pour voir si c'est Gueuleton. Non. Ouais. J'avais une nugget, je l'ai mangé. Ah ouais, je l'ai mangé. Non, tu me l'as passé. Non, j'en avais une autre. Ah, elles sont pas ouf les nuggets, ça. Pas fan, Joanne. Ouais. Ça veut vraiment pas les tenders de KFC. Hein. Ah mais j'attends le KFC à côté. En fait, en parlant de ça, t'as essayé Popeye ou pas? Popeye? Oui. C'est quoi? C'est un dessin animé, Popeye? Non, non, Popeye, la chaîne de fast-food concurrent à KFC. Ah? De Louisiane, normalement, si mes souvenirs sont bons. Oh, bah, ils en ouvrent à Pardieu aussi. J'ai su ça parce qu'il y avait un vlog d'un Américain qui visitait Lyon. Et justement, il a vu Popeye à la Pardieu et il a rigolé. Ce qu'il va lui dire, je connais. T'as vu les vidéos de... Ouais, il est fat, le Big Mac. Ouais. T'as vu les vidéos Ah, t'as tout mangé? Ah non, tu pourras prendre le reste, si tu veux. T'as vu des vidéos de Durky à Las Vegas, je crois, au Texas. Il faisait plein de fast-food. Oh, ça dégueule. Durky, j'ai vu la vidéo quand il est dans une station-service. Une station-service? Oui. Le truc, c'était un hypermarché, la station-service. Oh. Ah, merci. J'ai fait tomber une salade. Non, par contre, là, Gurchi, il avait fait une vidéo où il avait testé le meilleur resto barbecue de Texas. Ouais. Et ils étaient allés le premier jour. Ils ont même pas pu rentrer, il y avait trop de monde. Et c'est bien ça, c'est sans réservation. Et c'est les premiers arrivés, premiers servis. Juste là qu'il n'y a plus de viande de disponible. Ah ouais. Ils sont arrivés à peu près, mais pas assez. Et ils sont retournés le lendemain. Waouh. J'ai envie de barbecue. Ça fait un moment en plus, j'ai plus fait de raclette. Ah. Bah raclette. Barbecue, raclette, on est en train d'enchaîner les trucs à manger gras. Il y en a qui a fait un buzz. Oui, quand je pars en cuisine, mais... ça me fait rire. De Etchebest ou de Gordon Ramsay? Les deux. Ah, les deux. En fait, Gordon Ramsay, il n'a plus. Donc j'aurais des Philippe. Non, attends, il avait fait des tout nouveaux, mais ils sont pas dispo sur YouTube. C'est quoi que je voulais dire? Oui, il y en a plein. Ils m'ont parlé d'un YouTuber qui a fait... Enfin, je l'ai en recommandation, mais j'ai jamais regardé ses vidéos. C'est le Routard. Ah, je connais pas. Il fait beaucoup de vues. Ah, par contre, sur P1, j'ai regardé quand il a testé genre une dizaine de rassos militaires français à la suite. Ah, j'aime pas quand il fait comme ça. Je préfère quand il le fait un par un. Ah. Comme ça, il prend le temps. Je m'en mets partout. J'ai plus de sauce. Et en jeu vidéo, tu joues à quoi, Joanne, là? Ah, oulala. Alors, j'ai terminé Nioh. Et là, je suis en train de faire le premier, là, je suis en train de faire le deuxième. Putain, ils sont... purée. Ils sont parfaits. Ah, non, mais moi, les Souls... Ils sont bons, les Nioh. Les Souls que je dois faire, Joanne, en attente, j'ai Dawn of Fallen, le PS5. J'ai fait. Parce que j'avais fait l'autre de l'époque. Ouais. Donc celui-là, je l'ai fait, je l'ai fini. Nioh, je l'avais pas fait. J'ai fini le 1 sur PS4, là j'ai refini sur PS5. Le 2, je me suis arrêté en plein milieu, là du coup je me remets à fond. Il y a Sekiro que je dois faire. Je suis arrivé contre le boss de fin, je l'ai pas fini. Il faut que je refasse une partie. Attends, c'était quoi l'autre Souls? Attends, Nioh, Sekiro. Lies of P, tu l'as fini? J'ai fait, c'est bon, ouais. J'ai fini Lies of P. Ah, zut, il y en avait un autre. Timezia, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il était très sympathique. Quand même, par contre, Souzak. Y'a personne qui arrive à la suite de The Surge. Hein. Je l'ai refait The Surge 2 et. Pff, non, mais on est d'accord, Joanne. Le Surge, c'est le système. Plus tu tues, plus t'as un combo. T'as plus t'es récompensé au niveau des points d'expérience. Et le fait que pour avoir du matos, il faut découper un membre. Mais y'a pas d'autres sources futuristes. Y'a que le non, Surge. Non, voilà, et puis c'est futur. Si, y'avait Dolmen, mais qu'est-ce que c'était? Une bouse. Dolmen, c'est un Souls? C'est un Souls en fait, Dolmen. Mais c'est une bouse. Pourquoi c'est une bouse? Y'a pas eu de budget sur le jeu, c'est... T'as l'impression de jouer à un jeu sur mobile en fait. Ah non, mais... En fait, y'a le gameplay va pas bien. L'OST est pas bon, y'a des bugs. Ah, jeu pas fini. Juste un autre jeu à la place. Hein. J'ai commencé Daymar. Le deuxième Daymar. 1994, je me rappelle plus de son nom. Et il est comment? J'ai fait que un quart d'heure, donc... C'est du Resident Evil, hein, ça se voit. Ça se voit qu'ils sont inspirés de Resident Evil. J'ai fini, avant de me remettre sur PS5, j'avais fini sur Xbox Beneath Oreza. Un petit jeu indé.
par un studio Montréal et édité par Goblins Studio. Très bon. J'ai acheté Guardian Quest. Et Balatro sur PS5. Ouais, j'ai racheté en physique, comme ça je me le ferai sur PS5. Mais là, faut que je fasse une vidéo sur la chaîne principale où je donne mon avis sur 5 derniers jeux que j'ai fait. Donc il y a Asterigos, donc c'est un, c'est un Souls-like édulcoré. Ouais. Ah, si, un autre espèce de Souls-lite. Ouais. Ah, une pourriture. Comment il s'appelle? Flintlock. Attends, le nom me dit quelque chose. Enfin, pourriture. Pas, non, il est pas pourri. Il est médiocre. Ah, il était sur le Game Pass, ils ont fait des tests sur le Game Pass. Le jeu, je l'ai fini en 7h, ils disaient, ah, vous le finissez en 15h, 7h, je l'ai fini. Oui, mais t'as foncé, ah, je... attends, c'était pas le jeu où tu m'avais dit, En fait, t'as l'impression qu'elle est sur la lune quand elle se déplace. Ah, oui, voilà. Enfin, voilà. En fait, le jeu était médiocre. Je suis arrivé jusqu'au bout, oubliable. D'accord. Bon, on est en train de parler d'un petit peu d'Ubisoft, on espère qu'ils vont pas couler avant la sortie de Heroes. Ouais, ça. Parce que là, actuellement, ils sont sur... ils sont pas dans la même Wiz. Ils ont repoussé Assassin's Creed. Skull and Bones, d'après les dernières estimations, il leur a coûté 800 millions. Oui, 800 millions, j'ai vu la miniature de le Steam. 800 millions, allez hop. Star Wars Outlaws, il rend pas en effraie. En fait, comme le disait, je sais pas plus si c'est Lusty qui avait dit ça ou un autre. Il disait en fait, Ubisoft font des jeux, ok. C'est je bien, je dis que je vais parler de ça. Ils font des jeux bien, mais sans plus. Non, par contre, alors par Star Wars. Non, j'ai vu les compilations de l'IA avec l'IA du jeu. J'ai vu aussi. C'est toi qui me les as envoyés. Ouais. Tu m'as envoyé en plus une vidéo comparative entre Splinter Cell sorti il y a 10 ans et le Star Wars. Ah, mais là, c'est encore pire, j'attends. Ouais, mais malheureusement, ils n'ont pas embauché des bonnes personnes qui savent pas développer, voilà. Donc les jeux, ils perdent de la qualité. Voilà. Et après, Ubisoft qui disent, c'est la faute des joueurs si ça se vend pas notre jeu. Bah, faites un bon jeu. Voilà. T'as bon jeu, le non, mais Flavre. Ils avaient dit que Star Wars Outlaws allait être le Red Dead Redemption. J'ai déjà dit, vous êtes sérieux? Ouais. Mais bon, Warlord, déjà qu'ils commencent par arrêter de critiquer quand il y a des développeurs qui font des bons jeux. Alors, j'oublie pas. Alors, je dis pas que c'est tous les développeurs d'Ubisoft. Mais quand Elden Ring était sorti, que vous avez gueulé que les joueurs aimaient Elden Ring. Ah bon, il y a eu ce titre, je me souviens plus. Ils étaient salés. Enfin, ils. Des développeurs de chez Ubisoft étaient salés parce que Elden Ring était un très bon jeu, que les gens s'amusaient. Oh, mais non, c'est pas normal, vous avez pas de goût, les joueurs, enfin, ils avaient sorti un truc, et puis... C'était pas Ubisoft qu'ils avaient dit, ouais, Skull and Bones, c'est quadruple A. Si, alors si, c'est Ubisoft. Tu vois bah la oui, à 800 millions. Ouais, bah tu vois la gueule du jeu. Non, mais à 800... Lui, presque un milliard. À 800 millions, c'est normal que c'est un quadruple A, mais c'est une merde. Ça. Le truc est, d'après des gens, le truc est moins bien que Black Flag. J'en peux plus là, je suis en train de bouffer les nuggets, j'attends. Bah, je laisse les nuggets, finis mon McGreek. Bon, je préfère le Big Mac, hein. Mais il est bon. Ouais, il est bon, mais je préfère le Big Mac. Ouais, t'es bah, tu vois, heureusement qu'on a pas pris de dessert. Heureusement. Prends juste une cuillère. J'ai toujours un peu de non, c'est juste pour la digestion, moi. Ouais. En fait, le problème de Skull and Bones, tout comme Concorde, hein, on peut faire même le lien. Ouais. C'est des jeux qui ont été trop longtemps en développement et qui étaient prévus pour un marché qui n'existe plus aujourd'hui. Je veux dire, si Concorde était sorti un an, deux ans après Overwatch à 40 heures, je pense qu'il aurait marché. Oui, mais sauf que les jeux... Bon, après, le chara-design est pourri, hein, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je parle pas que du chara-design. Le jeu, ils ont... Attends, mais... Concorde... Oui, mais... Ils ont fait une étude de marché, Sony. Non. Ils ont dû écouter des mauvaises personnes et ils se sont ratamés. Oui, mais après, s'ils font pas des persos qui font rêver, les gens ils vont pas acheter. Alors qu'à côté, t'as Stellar Blade, on se demande pourquoi les gens vont acheter Stellar Blade. En fait, le truc, dans un scénario alternatif, admettons que Concorde était sorti en free to play. Il y aurait déjà eu plus de monde. Évidemment. Après, on sait pas s'ils seraient restés les gens, c'est toujours pareil. Il teste la curiosité, bon, après il part. L'erreur pour moi de Concorde, c'est d'avoir sorti ce jeu à 40$. C'était la grosse erreur. Ça, c'est la première erreur. C'est la grosse erreur. Et en plus, faut acheter l'abonnement. Ah oui, moi, j'avais pas l'abonnement. Ah je voulais tester quand tes serveurs étaient fermés. L'abonnement, il fallait que je l'achète. Donc, j'ai dit, laisse tomber, je veux pas. Enfin, du coup, voilà, Concorde, ça a été un enchaînement d'erreurs. Marketing. Et pour Skull and Bones, c'est pareil. De base, c'était un DLC pour Black Flag. Oui. Mais Black Flag est sorti en 2013. Je travaillais encore au Leclerc. J'étais encore à Castorama. Oui, t'es encore à Castorama. Il y a 9 ans.
J'avais pas encore les 100 000 abonnés. Non, je suis con, 11 ans. J'avais pas encore les 100 000 abonnés. Mais oui. Pff, c'était... Oh. 2013. Ouais. Non, mais... Black Flag 2013. Attends, 2013 ou... Ah, non, c'est 2013. Parce que le... Oui, parce que le 2... 360 Black Flag ou... Non. Ouais. Oui, mais aussi sur... Alors, Peut-être. Assassin's Creed. Le 2 est sorti en 2010. Ou 2009. Je sais plus. 2009. Le 2 est sorti en 2009. Après, il y a eu Brotherhood en 2010. Ouais. Après, il y a eu Révélation en 2011. Après, il y a eu le 3ème en 2012. Et le Black Flag, le 4ème, en 2013. Voilà. Non, mais pour terminer avec Assassin's Creed, dis-toi que j'avais complètement oublié. Moi, je pensais que avant Shadow, c'était Valhalla le dernier. Mais non, il y a Mirage qui est sorti entre temps. Oh merde, j'avais zappé celui-là. Mais oui, oh, il est passé inaperçu, Mirage. Mais oui, mais maintenant que tu le dis, j'ai complètement zappé. Non, sérieux problème, Ubisoft, au bas. Et moi, je suis dégoûté. En plus, je peux me permettre de gueuler, j'ai des actions chez eux. Ça fait quoi d'avoir. De se faire renfler là? Non, et encore, j'ai. Quand, non, ça va, j'ai pas trop perdu. Je les avais pas achetés quand ils étaient à 80€. Tu l'as acheté, ils étaient à combien? 25€. Ouais, t'as fait un. J'ai perdu 80%. Ouais. 80%? Non! Ah non, si t'étais à 25. Zéro Jeune, c'était à 9€. Ah si, j'ai perdu 3... J'ai perdu 2 tiers. De... À peu 66%. Près. Voilà. Ouais. Ah si, j'ai quand même perdu de l'argent. Je me suis dit que j'ai 100€ d'action. Voilà. Là, j'ai perdu 90%. Mais par contre. S'ils arrivent à rattraper le coup et les gens les investissent quand c'est à 10$, là, là, par contre, c'est... c'est jackpot. Eux, c'est tout the moon. Ouais, jackpot. On a parlé pendant 25 minutes. On a parlé pendant 25 minutes. Du coup, c'était vraiment cool là. A plus tard et bon appétit. Allez, bon appétit.